Mesdames et messieurs, pour remettre le Magritte de la meilleure image, notre lama. Bonsoir. Oh. Pardon. Elle est nominée pour la Magritte de la meilleure image son. Manu Dacos pour Évolution. Nicolas ? Comment je deviens ? Chita. Mon ciel, c'est le sien. Chita. Je suis comme lui. Chita. J'ai plus de pays. Chita. J'ai plus de maison. Chita. Je n'ai plus de nom. Chita. Olivier Bunjing, pour Parasol. Jean-Paul de Zeteyd. Pour les premiers et les derniers. Benoît Deby, pour la danseuse. L'enveloppe. Je me suis fait manger par un lama. J'ai plus de jambes. Alors, on est censé avoir... Ah ! Le Magritte de la meilleure image est attribué à Olivier Bunjing. Si l'aspect à la fois feutré et saturé de l'image joue un rôle essentiel dans les premiers longs-métrages de Valérie Rosier, Olivier Bunjing démontre également l'étendue de son talent dans le noir et blanc contrasté de « Je me tue à le dire » de Xavier Seron. Ce talentueux directeur photo a terminé le tournage de « Fauve » avec Jonathan Zakaï, dont la sortie est prévue courant 2017. Merci beaucoup. J'avoue que je me sens un peu tout petit au milieu de tous ces grands chefs opérateurs, donc je voulais juste déjà les remercier pour l'énorme source d'inspiration qu'ils représentent à mes yeux. Je vais évidemment remercier Valérie. T'es le premier à m'avoir fait confiance et je pense que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et
Merci de nous emmener dans ces aventures, merci de prendre soin de nous et merci de nous aider à chercher avec toi. C'est vraiment un grand plaisir. Je vais remercier mes collaborateurs proches. Merci Arnaud, merci Adil, merci Letty, merci Aurélien, merci Pauline, merci Nicolas, merci Benjamin. Je remercie tout particulièrement Benjamin Morel et Mathieu Coville qui m'ont remplacé sur ce film quand je n'étais pas disponible. Et remercier mes parents et mes grands-parents et ma compagne Sarah. Désolé. Merci beaucoup et bonne soirée.